Chers clients, chers partenaires, chers collègues, distingués invités, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire en ligne organisé par le groupe EcoBank sur le thème de l'impact de la COVID-19 sur les économies africaines, les marchés de matières premières ainsi que les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mon nom est Souleymane Diagne, je suis directeur groupe en charge du commerce et je serai le modérateur de ce webinaire. Ce webinaire se déroulera en 4 parties, comme je le projette ci-après. Dans un premier temps, nous aurons donc le mot de bienvenue qui sera prononcé par M. Paul-Henri Ettner, directeur exécutif en charge de la zone UMOA. Ensuite, nous aurons les présentations de nos experts résidents, notamment Ted George et Guy Minoyan, que je présenterai tout à l'heure. Et cette séance durera à peu près 50 minutes. Et ça portera effectivement sur les thèmes de l'impact de la COVID, de la crise sanitaire en général, sur les marchés, mais aussi sur les perspectives économiques, notamment avec le lancement prochain de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans un troisième temps, nous aurons, à la suite de cette intervention de Ted George, nous aurons donc une séance questions-réponses. Et pendant cette séance questions-réponses, nous aurons la possibilité donc de répondre à vos questions que vous avez d'ores et déjà la latitude de poser à travers la fenêtre dédiée à cet effet sur vos écrans. En dernier lieu, nous aurons le mot de fin qui sera prononcé par M. Cheikh Travali, directeur exécutif en charge de la région de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et australe. Enfin, veuillez noter que ce séminaire fera l'objet d'un enregistrement pour future utilisation. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Paul-Henri Ettner, directeur exécutif en charge de la zone UMOA, pour le mot de bienvenue. Merci. Paul-Henri, the floor is yours. Merci infiniment, Souleymane, pour l'introduction. Bonjour ou bon après-midi pour... à tous nos clients, mesdames et messieurs, merci infiniment de prendre le temps de participer à ce webinaire, qui est un webinaire qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est l'occasion pour nous évidemment de parler à nos clients et de partager avec vous certaines des réflexions que nous avons pu mener par rapport à vos activités en Afrique sur les prochains mois. Le monde, comme vous le savez, passe à travers une période difficile. La pandémie de la COVID-19 a eu un impact significatif sur nos économies, sur nos sociétés et même sur notre manière de vivre. L'Afrique est en train de passer à travers un moment unique, un moment qu'on ne trouve certainement qu'une fois par siècle. Et même si la pandémie n'a pas causé un impact majeur pour le moment sur les systèmes de santé comme on l'anticipait, nul doute que nous voyons déjà de manière très prononcée des défis sur le plan économique et sur le plan social. EcoBank, la banque qui opère dans 33 pays en Afrique, évidemment nous arrivons à voir les effets de cette pandémie en cours. Nous voyons nos clients qui sont de plus en plus impactés par les effets économiques et sociaux de cette pandémie. Ces impacts peuvent être une pression très forte sur les revenus, une pression très forte sur leur manière d'opérer à l'intérieur de leur secteur d'activité et surtout une incertitude par rapport au lendemain, personne ne sachant réellement comment est-ce que nous allons tous sortir de cette pandémie, est-ce qu'on va avoir une reprise en V, est-ce qu'on va avoir une reprise en U ou est-ce qu'on ne va pas avoir de reprise du tout. En gardant en tête que cette pandémie aura un impact significatif sur vos activités. L'idée aujourd'hui, c'est de passer un peu de temps avec vous pour réfléchir sur comment est-ce que la pandémie aura un impact sur l'ensemble des économies africaines, en gardant un accent particulier sur les marchés de matières premières et aussi sur les chaînes d'approvisionnement, parce que comme vous le savez, l'Afrique s'est inscrite depuis maintenant quelques années dans un défi majeur qui est le défi de mettre en place la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Et évidemment, cette pandémie est un facteur important de nouveau à prendre en considération.
question lorsqu'on parle de l'implémentation de cette zone de libre-échange continentale africaine et surtout de son impact sur les chaînes d'approvisionnement. En plus, la pandémie de la COVID a certainement accéléré un mouvement que nous avions vu avant la crise, mais qui va de plus en plus s'accélérer dans le futur, qui sont les paiements digitaux. Les paiements digitaux étaient un élément important avant la crise. Notre analyse nous démontre que pendant la crise et certainement après la crise, ça restera une dynamique très forte sur laquelle nous devons nous concentrer. Et notre rôle, c'est d'essayer de vous apporter un maximum de réflexion et un maximum de solutions par rapport à cette nouvelle tendance que nous voyons. Le webinaire que nous organisons aujourd'hui et le webinaire que nous allons organiser aussi le 5 août vont nous permettre de vous apporter un certain nombre d'informations sur comment est-ce que vous pouvez transformer votre business pour accélérer l'adoption de ces paiements digitaux. J'espère sincèrement que ces discussions seront utiles pour vous. Soyez assurés qu'en tant que banque, Ecobank va rester à vos côtés durant la crise, après la crise, pour continuer à vous apporter du soutien, que ce soit un soutien financier ou un soutien non financier, indispensable évidemment durant cette période qui est une période difficile pour tous, pour nos sociétés, pour nos familles et pour nos économies. Je vais maintenant repasser la parole à notre modérateur, Souleymane Diagne, pour qu'il passe à la prochaine partie de l'agenda. Une fois encore, merci infiniment d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Merci beaucoup, Paul Harry. Nous allons donc passer à la deuxième étape il s'agira donc sur cette étape-là d'avoir la présentation de Ted George. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Ted est le fondateur de Kleos Advisory. Il est actuellement maître de conférence, mais surtout, il a été pendant 5 ans en charge du département recherche au sein du groupe Ecobank, avec une spécialisation sur les économies d'Afrique francophone et le commerce intra-africain. Ted est également un expert reconnu dans les domaines relevant des marchés des matières premières, couvrant notamment le coton, le cacao, le café, le sucre, entre autres. Ted sera assisté également sur la partie macroéconomique de Gaimin Doyan. Gaimin a été également une part prépondérante de notre équipe de recherche à Ecobank et donc est spécialiste en macroéconomie et en stratégie. C'est également membre de l'équipe de Ted. Elle a été membre de l'équipe de Ted pendant qu'elle était au niveau de la recherche. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Ted George pour la présentation sur les thèmes abordés, notamment donc, l'impact de la COVID sur les économies et sur les marchés des matières premières et les chaînes d'approvisionnement global. Ted, the floor is yours. Merci beaucoup, Suleyman. Je suis ravi d'être invité à donner ce briefing pour les clients d'Ecobank. J'ai passé 5 ans dans l'équipe de recherche et je salue mes ex-collègues de la banque. J'ai préparé le briefing avec mon ex-collègue de recherche, Gaimin Onyan, mais Gaimin ne parle qu'un peu de français. Alors, je donnerai toute la présentation en français et pendant la session de questions et réponses à la fin, elle répondra aux questions sur la macroéconomie en utilisant Suleyman comme interprète. Alors, on attaque. Depuis début de l'année, la phrase « sans précédent », c'est une phrase surutilisée. Nous n'avons jamais été dans une telle situation dans notre vie professionnelle, mais ce n'est pas le moment de battre en retraite. La crise à laquelle nous nous sommes confrontés est un appel aux armes et c'est une opportunité pour la transformation. De nombreuses entreprises échoueront au cours des prochains mois, mais d'autres saisiront les opportunités, changeront le modèle et prospéreront. Et l'opportunité n'est plus grande qu'en Afrique subsaharienne, notre sujet d'aujourd'hui. La présentation sera en 3 parties. Tout d'abord, les perspectives de l'économie mondiale. Ensuite, l'impact sur l'économie de l'Afrique subsaharienne. Et pour terminer, les perspectives pour les matières premières et le commerce en Afrique subsaharienne.
Veuillez soumettre vos questions lors de la présentation et nous y répondrons autant que possible à la fin. Donc, commençons par les perspectives mondiales et avec l'éléphant dans la chambre, le COVID. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a plus de 16 millions d'infections dans le monde. Il n'est même pas clair que nous ayons terminé la première vague. Comme Churchill a dit après la victoire de l'Allemagne, nous ne sommes pas à la fin, ni même au début de la fin, mais peut-être sommes-nous à la fin du début. Il y a un long chemin à parcourir avec COVID. En Afrique, la pandémie s'agrandit. Il y a plus de 500 000 cas et plus de 12 000 morts. Mais les statistiques suggèrent que les tests sont inadéquats. Il est peu plausible que l'Afrique du Sud compte 77% de tous les cas africains, mais le Nigeria, avec une économie et une population plus importantes, ne compte que 7% du total. On craint qu'il y a une épidémie silencieuse en Afrique, avec nombreux gouvernements laissant la maladie se propager afin de maintenir l'économie en marche. C'est vrai que récemment, l'Afrique de l'Ouest a réussi à contrôler l'Ebola. Mais l'Ebola est beaucoup moins infectieux que le COVID et on peut porter le coronavirus et infecter d'autres personnes sans même le savoir. Mais il y a d'espoir. Plusieurs vaccins sont à leurs essais finaux et les traitements visant à réduire l'impact de la maladie s'améliorent. Comme nous saurons plus sur la maladie et ses effets sur différentes démographies, elle deviendra plus gérable. Mais quelle que soit l'évolution de la pandémie, l'entreprise devra faire évoluer le modèle commercial et intégrer le COVID à leur façon de faire les affaires. Passons aux perspectives politiques. Tout d'abord, nous avons l'élection américaine le 3 novembre dans moins de 100 jours. Cette élection sera un concours acharné mené dans un contexte de difficile économie et de rage publique face au racisme et aux brutalités policières. Parallèlement à la montée des tensions politiques aux États-Unis, la confrontation avec la Chine va s'intensifier. Il y a des tarifs d'importation sévères sur les produits chinois, des attaques contre les entreprises chinoises de premier plan, par exemple Huawei, et une montée des tensions dans la mer de Chine méridionale. Et n'oublions pas le Brexit. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en janvier et devait signer un accord commercial d'ici la fin de cette année. Mais l'idée qu'un accord qui prendrait une décennie à négocier sera conclu en 6 mois pendant une pandémie est un vœu pur. Sont probables d'autres retards et incertitudes. Et n'oublions pas la plus grande menace qui pèse sur la planète, le changement climatique. En janvier, il y a eu de terribles incendies en Australie. Greta Thunberg s'est entretenue avec l'ONU, mais tout a été écarté par la pandémie. Nous venons de commencer la saison des ouragans dans les Amériques. Préparez-vous. Alors, comment l'économie mondiale a-t-elle été affectée? Vraiment, il a été renversé. 2020 a commencé avec un optimisme économique porté par une reprise mondiale menée par les États-Unis. Et puis, le COVID est arrivé. En mars, la confiance mondiale s'est effondrée et les marchés ont été perturbés, ce qui a incité les autorités à réagir rapidement pour atténuer l'impact. On peut voir dans le graphique en haut à gauche que les banques centrales du G4 ont injecté des milliards sur le marché, augmentant le bilan de 13% du PIB depuis février. La semaine dernière, les dirigeants de l'Union européenne ont approuvé un plan de relance de 750 milliards d'euros en réponse à la crise. Les banques centrales de l'Afrique du Sud, le Kenya et le Ghana, abaissèrent agressivement le taux. En outre, le FMI a apporté une aide d'urgence aux pays africains. Comme le montre le graphique de droite, le Nigeria a été le premier bénéficiaire avec plus de 3 milliards de dollars. Grâce à l'énorme relance, le marché financier mondial s'est stabilisé, évitant des faillites à grande échelle et des pertes d'emplois bien plus importantes. Comme on voit dans le graphique du haut,
le marché boursier mondial a rebondi, bien que les marchés frontières restent à la traîne par rapport aux marchés émergents. Les PME a également repris. Cependant, il reste en dessous de la référence de 50 points aux États-Unis et dans la zone euro, ce qui indique une contraction continue de ces marchés qui sont les principales destinations d'exportation pour l'Afrique subsaharienne. Les écarts de crédit se sont rétrécis dans les marchés émergents, reflétant l'amélioration du sentiment des investisseurs malgré la hausse des cas du COVID. Par exemple, au Nigeria et au Ghana, les obligations à 10 ans en devise sont revenues à leur niveau d'avant la crise, après avoir bondi en mars. En même temps, le taux de chômage des États-Unis, un indicateur clé des dépenses de consommation, a commencé à se redresser, même si la résurgence du COVID soulève l'incertitude. Bien que les marchés financiers se soient stabilisés, l'économie réelle devrait enregistrer sa plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela démontre la profondeur de la crise et la déconnexion entre les marchés financiers et l'économie réelle. Comme le montre le graphique de gauche, tous les principaux marchés mondiaux seront durement touchés par la crise. L'Union européenne et le Royaume-Uni prévoient d'enregistrer une contraction à deux chiffres en 2020 en raison de l'impact des mesures de distanciation sociale et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cela pose des risques à la baisse pour l'Afrique subsaharienne, d'autant que l'Union européenne représente environ 40% du marché d'exportation de la région. Cependant, en supposant un soutien politique continu et une réouverture des économies, le ralentissement mondial ne sera pas profond et long que pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2021, l'économie mondiale devrait se redresser lentement. Mais en l'absence d'un vaccin efficace et abordable et d'un soutien politique supplémentaire, la force de la reprise sera très incertaine et l'impact entre les régions et les secteurs très inégal. L'impact sur le commerce a également été dévastateur. Au deuxième trimestre de 2020, le baromètre du commerce des marchandises de l'OMC est tombé à 87,6, la valeur la plus basse jamais enregistrée. C'est alarmant, car la croissance du commerce mondial ralentissait déjà avant le COVID, passant de 5,6% au quatrième trimestre de 2017 à une contraction de 1% dans un an plus tard. L'impact des confinements, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et l'effondrement de la demande ont accéléré cette baisse au premier semestre 2020. Les produits automobiles, le fret aérien et le transport de conteneurs ont été le plus durement touchés, reflétant la baisse mondiale de la demande. Mais cela ne signifie pas que le commerce mondial s'est arrêté. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées, mais elles continuent de fonctionner et les portes sont toujours ouvertes. Toutefois, le COVID a révélé la dépendance du monde sur les produits intermédiaires chinois pour sa base de fabrication. On peut voir ça dans la graphique à gauche. Le COVID a aussi causé la fermeture temporaire des pôles de fabrication en Asie du Sud, surtout les textiles, et en Asie du Sud-Est, la transformation de la noix de cachou, provoquant de graves perturbations dans ces secteurs. Mais ils adaptent à la nouvelle normalité, comme on peut le voir sur les photos. Entre-temps, la demande pour autres produits spécifiques a augmenté, par exemple pour l'équipement de protection individuelle et le papier hygiénique. En outre, la crise a révélé l'existence du commerce imprudent et des cas de fraude. Warren Buffett a déclaré « Ce n'est que lorsque le marché descend que vous découvrez qui en a genoux. » Et de nombreux commerçants se bannent à poil. Au cours du premier semestre 2020, plusieurs traders se sont effondrés à la suite de transactions imprudentes et d'une fraude pure et simple. Ils comprennent les traders de pétrole Hinlong et Zenrock, le trader de charbon AgriTrade, Hentop, la filiale du groupe Wanda de Chine, et le trader d'aliments de consommation, charbon et métaux, Phoenix Commodities. Entre eux, ces traders étaient coupables de la plus ancienne croquerie, utiliser des factures en double
et engager les mêmes cargaisons à plusieurs acheteurs. Hinlong a surestimé ses actifs à 3 milliards de dollars. Et ensemble, ces 5 traders pourraient causer 8 milliards de dollars de pertes aux dizaines de banques. Certaines des fraudes découvertes sont scandaleuses. Par exemple, King Gold, l'un des plus grands fabricants de bijoux en Chine, coté au Nasdaq. En mai, King Gold s'est effondré avec 3 milliards de dollars de dettes. Mais lorsque les banques sont allées saisir l'or de King Gold, elles ont découvert que les 83 tonnes de lingots d'or d'une valeur nominale de 5 milliards de dollars étaient en fait des lingots de cuivre plaqués or. Et ce ne sont pas seulement les traders qui ont pris au thé pour vous. Le mois dernier, Wirecard, l'une des sociétés de paiement le plus valorisées au monde, s'est effondrée après une fraude massive, laissant une dette de 4 milliards de dollars. Cela signifie que la due diligence et la détection des fraudes sont essentielles pour toutes les entreprises. Parce que, malgré tous les autres risques existants, la fraude reste la principale risque et la principale cause de pertes commerciales. Donc, cela résume les perspectives mondiales. Maintenant, examinons les perspectives économiques en deux parties. Première, l'impact de la crise sur l'économie réelle de l'Afrique subsaharienne et les réponses politiques. Et deuxième, la dette, la liquidité des devises et le problème de change qui affecte la région. Commençons avec les perspectives politiques et sécuritaires. Cette année, il y a de nombreuses élections en Afrique subsaharienne. Comme le tableau montre, la plupart d'entre eux sont dans le dernier trimestre de l'année et plusieurs sont en Afrique de l'Ouest francophone. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est la plus préoccupante. La mort soudaine d'Amadou Koulibaly a apporté de l'incertitude à l'élection d'octobre, tandis que le parti au pouvoir se démène pour trouver un nouveau candidat approprié pour succéder au président Ouattara. Compte tenu du conflit déclenché par les élections de 2011, il y a une réelle inquiétude quant à la manière dont la passation du pouvoir sera réalisée. Ailleurs de la région, au Mali, les manifestations contre les élections de mars se poursuivent, mais sans les demandes de démission du président. Dans la région des trois frontières, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, l'insécurité causée par les forces djihadistes continuera. Il a été caché à vue pendant des mois, mais avec de nombreux jeunes hommes maintenant au chômage, c'est un terrain de recrutement pour l'extrémisme. Passons à l'Afrique de l'Est, les troubles en Éthiopie suite à la mort d'un chanteur populaire ont fait monter les enchères lors des élections législatives en août. Et les élections en Tanzanie, en Guinée et au Burkina Faso devraient susciter une forte opposition au parti au pouvoir. Les perspectives de l'Afrique économique sont également difficiles. La région devrait enregistrer sa pire récession économique depuis des décennies, même si la contraction sera moins sévère que sur les marchés développés. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui représentent plus de la moitié du PIB de l'Afrique, seront gravement touchés, faisant baisser les moyens régionaux. Comme on peut voir dans le graphique de droite, les principaux exportateurs de pétrole au Nigeria, en Afrique centrale et en Angola devraient se contracter fortement. Cela reflète leur dépendance aux exportations de pétrole, ce qui les fait vulnérables à la chute des prix de pétrole. D'autres pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est connaîtront des ralentissements, mais ils devraient s'en tirer bien mieux, compte tenu de leur marché plus diversifié. Pour le continent, une reprise en forme de V est attendue à partir de 2021. Mais il y a un degré élevé d'incertitude lié à plusieurs facteurs. Dans un contexte de la baisse du PIB et de coûts d'approvisionnement accru, le revenu par habitant devrait fortement se contracter en raison des pertes d'emplois. En même temps, la baisse de l'offre de devises et les défis de la chaîne d'approvisionnement pèseront sur l'inflation, réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs. Comme on voit dans le graphique en bas à droite, l'alimentation a une prépondération très élevée
dans le premier, dans le panier d'inflation dans de nombreux pays, en particulier le Nigeria et l'Éthiopie, où l'inflation s'accélère. En revanche, le Kenya connaît une inflation plus faible en raison de la baisse des prix des denrées alimentaires et des effets déflationnistes résultant du choc sur la demande des consommateurs. La situation devrait s'améliorer en 2021 à mesure que les défis d'approvisionnement s'atténueront, mais les pressions inflationnistes resteront fortes sur certains marchés. Compte tenu de l'environnement économique, les gouvernements africains ont adopté des réponses fortes. Les banques centrales ont adopté une position accommodante dans toute la région, abaissant les taux de manière agressive pour apporter un soutien aux ménages et aux entreprises. Ils ont assoupli la liquidité et les réglementations prudentielles pour renforcer la confiance et maintenir la stabilité financière, fournissant des interventions de crédit dans les secteurs tels que la santé, la fabrication et l'agriculture. L'orientation pro-croissance devrait se poursuivre en 2021. Mais une nouvelle baisse agressive des taux est peu probable, compte tenu des risques d'inflation. Sur le plan budgétaire, les autorités ont dévoilé des budgets prévoyant d'allègements fiscaux, des paiements pour les familles, un soutien au crédit pour les entreprises, bien que cela signifie des déficits budgétaires plus élevés. Cependant, les pressions financières seront atténuées par des financements concessionnels des agences multilatérales. Une fois la croissance économique commence à se renforcer, on attendit le retrait progressif du soutien budgétaire et une évolution vers une plus grande prudence budgétaire et des hausses d'impôts. Un autre développement est la participation aux initiatives d'allègement de la dette du FMI et du G20. 23 pays d'Afrique subsaharienne ont participé à l'allègement de la dette du G20. Cela pourrait générer 5 milliards de dollars d'économies pour ces pays. Cependant, les niveaux d'endettement peuvent augmenter à moyen terme, d'autant plus que les pays comme la Zambie, le Mozambique et la République du Congo, qui sont déjà en situation de surendettement élevé, avec une grande partie de leurs prêts contractés en Chine. La participation au programme d'allègement de la dette a incité Moody's à soumettre à certains pays classés B, tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie et le Sénégal, en vue d'une révision à la baisse. Cependant, ces pays ont indiqué qu'ils ne voulaient pas demander un allègement de la dette des créanciers privés, ce qui entraînerait un crédit négatif et des révisions à la baisse. Nous pensons que l'allègement de la dette devrait accroître le financement disponible pour les dépenses essentielles, élargissant ainsi les possibilités de reprise de la croissance et des recettes fiscales, ce qui devrait stimuler les perspectives de remboursement. D'autres pays comme le Kenya ont décidé de ne pas participer à l'initiative du G20, peut-être en raison de la réaction de Moody's, mais aussi de leur besoin de retourner sur les marchés financiers dans un proche avenir. En réponse aux politiques accommodantes de la Banque centrale et aux importants fonds des bailleurs, les rendements du marché local ont chuté depuis mars. Cela a été bon pour les coûts d'emprunt du gouvernement, mais mauvais pour les rendements des investisseurs. La baisse des taux est plus prononcée au Nigeria, où ils sont désormais inférieurs à l'inflation. Le Ghana a également connu une baisse des rendements. Et comme les taux d'intérêt réels restent en territoire positif, cela laisse place à de nouvelles baisses de taux. Les perspectives de rendements locaux restent positives en raison de la politique monétaire accommodante et des fonds des bailleurs, ce qui devrait atténuer les pressions sur le financement budgétaire. Cependant, il existe des risques à la hausse. Les pressions inflationnistes s'intensifient sur certains marchés et un retrait du soutien politique ou un réassèrement de la politique monétaire exercera une pression à la hausse. Les inquiétudes liées aux élections au Ghana pourraient causer un pic des rendements alors que la prime de risque politique augmente avant les élections de décembre.
Passons aux comptes externes. La pandémie a accru les pressions sur le compte externe, sur le compte courant, en raison des déséquilibres structurels entre l'offre et la demande de l'ola. Les grands exportateurs de pétrole, tels que le Nigeria et l'Afrique centrale, seront durement touchés par la faiblesse de la demande mondiale de pétrole, ce qui affectera leur compte courant. Bien que les prix de pétrole se soient quelque peu redressés, ils restent inférieurs au niveau d'avant la crise et par conséquent, les investissements pétroliers ont diminué. La production a également été plafonnée par l'OPEP pour le Nigeria et l'Angola. Les déséquilibres de compte courant en Afrique de l'Est devraient augmenter légèrement en raison de la faiblesse des recettes touristiques et des prix des matières premières. Cependant, la baisse des prix de pétrole contribuera à atténuer la pression. Les perspectives pour 2021 sont positives. Les déséquilibres devraient se réduire en raison de la reprise du tourisme et de matières premières. Les devises reflètent la force d'une économie, et cela est aussi vrai en Afrique que partout. Et le graphique en haut à gauche montre que les devises subsahariennes ont subi une énorme pression en raison de la faiblesse des IDE, des déficits budgétaires et des concurrents. Cependant, ils ont surperformé les devises des marchés émergents grâce à l'augmentation du capital des agences multilatérales. Mais les pressions montent, comme on peut voir dans le tableau de droite. Par exemple, le Kwanza angolais et le Kwacha zambien ont été les moins performants depuis le début de l'année. Les perspectives pour les devises sont une pression à la baisse, alors que les concurrents restent faibles, en particulier dans les pays exportateurs des matières premières qui ont tardé à diversifier leur économie. Dans l'ensemble, le degré de faiblesse de la monnaie variera en fonction de quelques facteurs, le régime de change de chaque pays, la composition des exportations et des dépenses publiques, les réformes et l'attrait du pays pour les investissements étrangers. Voyons maintenant plus en détail quatre des principales monnaies africaines. Le Naira, le Cedi, le shilling du Kenya et le franc CFA. On commence avec le Naira. Le Naira a subi une pression énorme alors que le pays a été confronté à une crise de liquidité. Le graphique en haut à gauche montre une baisse spectaculaire de la liquidité des devises à la fenêtre des investisseurs et des exportateurs, reflétant un effondrement de la confiance des investisseurs dans le pays. Le trading à la fenêtre AIF s'élève désormais en moyenne à 44 millions de dollars par jour depuis avril, contre plus de 300 millions de dollars par jour au premier trimestre. La semaine dernière, il a chuté de 34% à seulement 27 millions de dollars par jour. En réponse, la Banque centrale s'est lancée dans une série de dévaluations de devises pour préserver les réserves de change. Malgré ces ajustements, le Naira est toujours très surévalué, d'environ 20%, comme on peut voir dans le graphique en bas à gauche. En même temps, les entrées de capitaux restent minces, car les investisseurs ne pensent pas que le taux actuel reflète les fondamentaux. Jusqu'à que les prix de pétrole rebondissent et que la Banque centrale décide d'harmoniser le taux et de montrer plus de flexibilité, le Nigeria continuera à avoir des problèmes de liquidité de change, ce qui exercera une pression significative sur le Naira. Comme pour le Naira, le Cedi est également confronté à un risque de baisse. Cependant, le taux d'échange offre plus de flexibilité, ce qui le fait agir comme un amortisseur, offrant plus de transparence des prix. La liquidité des devises au Ghana a chuté, mais pas aussi mal qu'au Nigeria. Les perspectives pour le Cedi sont d'un léger assouplissement, compte tenu de l'attente d'un nouvel élargissement des déficits jumeaux et d'une augmentation de la prime de risque politique avant les élections de décembre. L'eurobond de 3 milliards de dollars émis au début de l'année et le crédit syndiqué de Cocobod attendu en septembre seront positifs pour le Cedi. De plus, les exportations d'or
qui représente 40% des recettes d'exportation, devrait augmenter, car l'incertitude mondiale maintiendra l'or comme valeur refuge, contribuant à limiter la pression sur le CEDI. Le shilling du Kenya sera également mis sous pression en raison de la faiblesse du commerce mondial et de l'augmentation des dépenses publiques pour protéger les entreprises et les ménages contre l'impact de la pandémie. Le graphique en bas à gauche montre que le shilling est très surévalué et qu'il sera affecté par la faiblesse des exportations, des entrées de capitaux et des envois de fonds à court terme. Cependant, le pays dispose de réserves de change saines, soutenues par les fonds des donateurs, ce qui contribuera à réduire le taux de dépréciation. Les perspectives pour le franc CFA dépendront de l'évolution de l'euro, auquel la devise est indexée. Le franc CFA devrait rester à l'abri des déséquilibres des concurrents, même si la volatilité augmentera parallèlement à l'euro. En regardant d'abord le ZOF, les graphiques en bas à gauche et à droite montrent que dans le pays de l'UEMOA, le taux d'échange est cohérent avec le TCER sous-jacent, ce qui suggère que leurs exportations sont à des prix compétitifs. Par conséquent, le risque de dévaluation du ZOF reste faible. En mai, la France a ratifié le projet de loi de réforme du CFA qui assure le maintien de l'ancrage avec une convertibilité illimitée. En outre, le BCA estime que les mesures actuelles sont adéquates pour répondre aux besoins de la balance des paiements, en particulier compte tenu des fortes réserves de change du bloc et de modestes risques de viabilité de la dette. Contrairement aux ZOF, le ZAF est très surévalué et fait face à un risque de dévaluation plus élevé en raison de son incapacité à agir comme un amortisseur des récents chocs sur les prix de pétrole. Face à la montée des vents contraires externes, la Banque centrale de la CEMAC a mis en application certaines réglementations pour contrôler l'offre de devises et augmenter ses réserves. Mais à mesure que la pression extérieure s'intensifie, le degré d'incertitude est élevé et une dévaluation pourrait survenir plus tôt que prévu. Cela résume les devises et les perspectives macroéconomiques. Avant de continuer, je voudrais rappeler que vous pouvez poser des questions, nous y répondrons à la fin. Alors, passons à la dernière partie de ma présentation, les perspectives pour les matières premières et le commerce en Afrique subsaharienne. Depuis fin 2018, les prix des matières premières sont en baisse et ils ont chuté alors que la crise du COVID s'est installée. Les comestibles ont stagné, les métaux ont atteint une série de sommets ces derniers mois, mais les prix de l'énergie se sont effondrés. Lorsque l'impact du COVID et la dispute entre la Russie et l'Arabie saoudite ont entraîné certains prix négatifs pour la première fois de l'histoire. Depuis, les prix du pétrole se sont légèrement améliorés. Mais si on regarde les chiffres globaux, ils peuvent être trompeurs, parce que chaque classe de matières premières a connu des hauts et des bas. Ce tableau montre les principales matières premières échangées en Afrique, du meilleur au moins performant, au cours de l'année écoulée. L'or est le plus performant, en hausse de 27,5%, reflétant son rôle de valeur de refuge. Les prix devraient encore augmenter alors que l'incertitude mondiale persiste. Les prix du riz sont également bondis depuis le début de l'année pour atteindre le plus haut niveau depuis 2012. Cela reflète le stockage, une certaine perturbation des exportations de l'Inde et du Vietnam et les craintes que la prochaine saison ne soit perturbée. En revanche, les prix du maïs ont baissé de 24% au cours de l'année écoulée. Les prix du maïs étaient stables depuis 6 ans, mais ils ont chuté de 11% au premier semestre 2020. Cela reflète la forte récolte aux États-Unis et l'attente d'une demande plus faible du secteur d'alimentation animale. En matière de café, l'arabica et le robusta sont allés dans des directions opposées.
Le prix de l'Arabica a bondi au premier trimestre 2020 et sont maintenant là où il était il y a 3 ans, bien que toujours en dessous du pic de 2016. Mais les prix ont baissé ces dernières années en raison des inquiétudes concernant la chute de la demande et la récolte brésilienne record. En revanche, les prix de Robusta sont en baisse constante depuis 2017 et sont actuellement à le niveau le plus bas depuis une décennie. Cette faiblesse reflète la hausse des exportations du Vietnam, premier exportateur mondial de Robusta, qui gonfle les stocks mondiaux. Les prix de cacao sont tombés à leur plus bas niveau depuis 15 mois en raison de la baisse de la demande. C'est vrai que pendant le confinement, les consommateurs mangent toujours du chocolat, mais ils ne consomment pas le chocolat dans les restaurants, les hôtels ou les réunions de la famille, et ils n'y s'achètent dans les boutiques hors de taxes dans les aéroports. Cela a fait baisser les prix au bas de la fourchette dans laquelle ils se sont échangés au cours des 4 dernières années. Le thé a un problème similaire avec la baisse de la consommation dans les cafés et les centres de transport. Ensuite, nous avons le pilier de l'économie de l'Afrique de l'Ouest francophone, le coton. Les prix de coton sont en baisse constante depuis le mi-2018 et sont au plus bas depuis 4 ans. Cela reflète la hausse des stocks mondiaux et la baisse de la demande de textiles et de vêtements. Comme l'a déclaré un détaillant britannique, personne ne va acheter une nouvelle robe si elle ne peut pas sortir et le montrer. Mais les pires performances sont de loin l'énergie. Le gaz naturel en baisse d'un tiers par rapport à l'année dernière et le pétrole brut en baisse de 37%. Le marasme reflète une tempête parfaite pour l'énergie. Une demande plus faible en raison de l'effondrement des voyages en voiture et en avion et le crachat entre la Russie et l'Arabie saoudite qui est menacé d'inonder le monde de pétrole. Depuis que des réductions de production ont été convenues en juin, le prix a récupéré un peu de terrain. Mais son niveau actuel de 43 dollars par baril est le plus bas en 4 ans. Compte tenu des perspectives actuelles, il faudra des réductions draconiennes de la production pour faire grimper les prix de manière significative. Donc, le tableau des prix des matières premières est très contrasté. Maintenant, examinons les principales matières premières produites en Afrique subsaharienne. Première, le pétrole brut. La crise du COVID est arrivée à un mauvais moment pour les exportateurs de pétrole africains qui avaient suivi une tendance à la hausse. Au cours des 4 dernières années, les exportations de pétrole brut ont augmenté de presque 4%. Après avoir chuté en 2016, les exportations du Nigeria se redressaient fortement. Mais en juin, dans le cadre des coupes de l'OPEP, la production nigérienne a baissé de 23% à 1,41 million de barils par jour. Ce niveau inférieur se poursuivra au moins jusqu'en septembre. Les exportations de l'Angola aussi ont chuté de 23% en 2015-2019. Cela reflète la chute de la production des champs en voie de maturation, les retards dans le développement des champs offshore coûteux et les coupes de l'OPEP. Le seul point positif est la Libye, dont la production a bondi depuis 2017 malgré les perturbations périodique. Passons au cacao. La récolte de cacao de 2019-20 devrait atteindre un nouveau pic de 3,6 millions de tonnes, dominé par la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun en raison du bon temps. Les perspectives pour la récolte principale 2020-21 sont bonnes, mais des risques pèsent sur la saison, comprenant l'impact de la pandémie et des élections ivoiriennes sur les livraisons, ainsi que la faible demande de confiserie. Mais il y a une préoccupation majeure en arrière-plan. La production illégale dans les zones forestières protégées, environ 500 000 tonnes par an, et l'extraction d'eau informelle, suscitant des inquiétudes en raison des dommages environnementaux qu'ils provoquent.
Passons au café. Les deux plus grands producteurs africains de café ont augmenté les exportations en 2019 et 2020. L'Ouganda est en hausse de 20% et l'Éthiopie de 17%. La production éthiopienne se redresse après la chute de 2018 causée par la sécheresse et les troubles politiques et a accéléré depuis février 2020. Cependant, les troubles récents ont jeté une voile sur la saison prochaine. La moindre performance est la Tanzanie, moins 24%, reflétant le manque d'investissement dans le secteur et le vieillissement du stock d'arbres, sensible aux maladies et aux nuisibles. Et pour finir, le coton, où il y a un changement de garde. Maintenant, le Bénin et la Côte d'Ivoire ont remplacé le Mali et le Burkina Faso en tant que principaux producteurs de coton. Ces deux pays représentent désormais plus de la moitié de la production de coton de l'Afrique. En revanche, la production du Mali a chuté des deux tiers au cours de la dernière décennie, en raison de l'impact de la sécheresse, des troubles politiques et de l'insécurité des maisons cotonnières. Le Burkina Faso devait inverser le déploiement de sa variété de coton OGM, dont la longueur des fibres était médiocre, réduisant sa valeur. Cependant, le manque de valeur ajoutée dans le secteur de coton en Afrique reste une occasion manquée. Environ 70% du coton est exporté sous forme de fibres de coton pour être transformé au Bangladesh, en Inde, en Chine et en Turquie. Cela conclut notre discussion sur les matières premières. Maintenant, je voudrais terminer en examinant les flux commerciaux de l'Afrique. La pandémie est arrivée à un mauvais moment pour les exportations de l'Afrique qui ont suivi une tendance à la baisse. Les exportations sont passées d'une pic de 35 milliards de dollars par mois en 2004 à environ 30 millions de dollars par mois maintenant. Mais elles stagnent depuis mi-2018 et sont faibles au premier trimestre 2020. Mais les relations commerciales du continent restent inchangées. L'Union européenne et la Chine restent les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique, reléguant les États-Unis à la cinquième place, après l'Inde. Cela reflète la flambée des flux commerciaux entre l'Afrique et l'Asie, ainsi que l'effondrement des importations américaines de pétrole brut nigérien. En matière de commerce intra-régional, les statistiques sont trompeuses. Les statistiques officielles indiquent que le niveau du commerce intra-régional en Afrique est faible, avec un moyen de 155 milliards de dollars par an contre 890 milliards de dollars avec le reste du monde. La part de l'Afrique dans le commerce interrégional est passée d'un pic de 16% en 2015 à 13,8% en 2019, en dessin de ce qu'elle était en 2010. Cependant, les données officielles ne montrent pas la réalité, car elles ne parviennent pas à saisir les vastes volumes de commerce informel qui traversent les frontières de l'Afrique. Si vous visitez la frontière entre le Togo et le Ghana, entre la Zambie et la RDC, vous verrez que la plupart, sinon tous les échanges, sont informels. Cela représente une énorme opportunité pour formaliser ces flux. Et comment l'intégration régionale a-t-elle été affectée par la pandémie? Je parle de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. La ZLECA devait entrer en vigueur en juillet, mais a été reportée au moins jusqu'en janvier 2021. Ce délai n'est pas significatif, à mon avis. Le processus d'intégration de tous les pays africains dans un marché unique sera long et complexe et ne devrait pas se produire du jour au lendemain. Toutefois, la création d'une zone commerciale à l'échelle du continent est faisable en rassemblant les blocs commerciaux régionaux existants. On peut voir sur la carte que nous avons d'un côté le COMESA, la Communauté de l'Afrique de l'Est et la SADC, et de l'autre côté l'ECOWAS et la zone franc CFA. C'est vrai que le COVID entraînera des fermetures périodiques des frontières et peut-être des ports, mais il est peu probable que tous les efforts d'intégration s'arrêtent.
Au-delà de l'augmentation de commerce et des investissements transfrontaliers, la ZLECA offre la possibilité de légaliser les flux de commerce informel valant des milliards de dollars, éradiquer la fraude et la recherche de rentes dans les ports, aux frontières et dans la chaîne de valeur, parce que tous les biens peuvent passer la frontière, et le plus important, construire des chaînes de valeur transfrontalières pour les produits alimentaires et de consommation, rendant ainsi possible une réelle valeur ajoutée en Afrique. Ce qui conduira ce processus, c'est la prochaine génération de la technologie, la fintech, le blockchain, le regtech et le tradetech. Ces termes peuvent sembler déroutants, mais ce sont tous vraiment la même technologie. La blockchain a une mauvaise réputation en raison de son association avec les bitcoins, mais elle s'avère réussie pour l'échange des documents et la traçabilité en Afrique. RegTech, technologie de réglementation, alimentée par l'apprentissage automatique, est largement déployée pour accélérer les processus de AML et KYC. Et la TradeTech lie toutes ces technologies ensemble, donnant une surveillance extraordinaire de la chaîne d'approvisionnement. Le fondement de cette transformation est la fintech. Aujourd'hui, un peu moins de la moitié des Africains disposent d'un smartphone et d'une connexion 3G. L'année prochaine, ils seront majoritaires, ce qui changera la façon dont les Africains ordinaires traitent leur vie. EcoBank a été l'une des premières banques à reconnaître cette transformation numérique et la banque a développé un système de paiement unifié pour sa plateforme panafricaine. Isaac Kamuta, directeur de Cash Management, présentera la solution de paiement numérique pour les clients lors d'un webinaire la semaine prochaine. Assurez-vous de vous inscrire. Alors, quels sont les points clés à retenir? Globalement, les risques majeurs assombrissent les perspectives, mais les marchés frontaliers de l'Afrique offrent d'énormes opportunités de croissance. En termes de risques mondiaux et politiques, le COVID façonnera l'activité commerciale mondiale, offrant à la fois des opportunités de transformation et un degré élevé d'incertitude. Les élections en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et en Guinée pourraient être la cause de troubles civils et politiques. Les risques macroéconomiques comprennent la volatilité et la faiblesse des devises, ainsi que les défis liés aux ressources et aux infrastructures. En même temps, la politique monétaire se concentrera davantage sur la stimulation de la croissance, plutôt que sur le contrôle de l'inflation. En outre, les souverains africains sont susceptibles d'accélérer les réformes structurelles, par exemple sur la politique de contenu local. Dans cet environnement, les entreprises devraient profiter des taux accommodants, innover et rechercher de nouveaux domaines de croissance. Les priorités seront la protection des bilans, la réduction des coûts et le renforcement de la gestion stratégique pour identifier et gérer correctement les risques. Et en termes des matières premières et le dynamique commercial, les prix des matières premières auront du mal à augmenter dans un environnement de faible demande mondiale. Cependant, une perturbation localisée des chaînes de fabrication pourrait provoquer des pics périodiques. Et la perturbation des chaînes d'approvisionnement a créé d'énormes opportunités de fraude. Par conséquent, les entreprises doivent intensifier le due diligence de clients et de transactions. Cela conclut la présentation. Merci pour votre attention. Suleiman, je te rends. Merci beaucoup. Très belle présentation, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Mesdames et messieurs, chers clients, chers partenaires, nous arrivons donc à la séance importante de questions-réponses. L'idée étant de pouvoir couvrir quelques-unes de vos questions avec nous-mêmes, les directeurs de EcoBank, mais aussi nos présentateurs, notamment donc Ted George et Gaïmine Noyan, sur la partie macroéconomique.
Donc, quelques questions ont été déjà posées. Je vais donc les répertorier. Et la première question qui a été posée, et je vais l'adresser à Ted, c'est est-ce que la COVID-19 entraînera-t-elle une crise financière? Qu'est-ce que tu as à dire sur ce point? Merci Sylvain. C'est une bonne question. Ça dépend comment on définit une crise, parce que nous sommes dans une crise maintenant, et c'est une crise grave qui affecte tous les marchés. C'est affecter les marchés développés plus que les marchés en développement, mais ça dépend parce qu'il y a des différences. Mais nous sommes dans une crise totale, et c'est pas quelque chose de nouveau. Ça veut dire, est-ce qu'on arrivait au collapse du capitalisme? Non, pas du tout, parce que le capitalisme est résilient. Mais on peut voir clairement maintenant les différents marchés et gouvernements qui sont ouverts aux nouvelles idées, qui veulent innover et pas simplement faire ce qu'ils ont fait avant. Alors, les pays innovateurs vont prospérer. Merci. Il y a une question un peu subsidiaire qui demande quelle serait donc l'implication sur l'économie mondiale de cette crise-là. Donc peut-être je peux traduire pour Goyan sur la partie macroéconomique. Goyan, this is the question is what would be the impact of the crisis on the global economy? And if you can just comment, I'll translate for the. Yeah, well, as the slides show that the crisis on the global economy is quite grave. We're likely to see a dramatic decline in global trade. According to the WTO, global trade is going to decline by about 13% this year. And at the same time, in sub-Saharan Africa, this crisis for the year alone is going to lead to a loss in outputs of about 79 billion in the whole of in sub-Saharan Africa, which is quite a substantial amount. And I think one of the main thing is the restrictions as well as the lack of confidence has also reduced consumer spending and business confidence. So this will no doubt increase the downturn in these markets. Donc la réponse pour résumer, c'est qu'effectivement il y aura un impact important sur les économies, notamment par rapport au fait que les décisions qui ont été prises en termes de confinement, etc., ont eu un effet important sur le niveau de consommation des consommateurs, ce qui a forcément un impact important donc sur les acteurs économiques et sur l'économie en général. Thank you, Gaimin. Donc je passe donc à la prochaine question qui a trait donc qui dit pensez-vous que la SLECA pourra booster la volonté d'intégration des États de l'Afrique centrale qui jusqu'alors sont à la traîne. C'est une question d'un de nos participants. Oui. Ted, tu veux prendre cette question? Oui, merci, c'est une bonne question. Oui, absolument. Maintenant, nous avons une vague d'innovation, de transformation qui passe par Afrique. Et la SLECA, qu'il y a 5 ans était un rêve, maintenant c'est une réalité qui est au début. On avoue avec le Nigeria qu'il y avait beaucoup d'opposition là-bas. Et je comprends pourquoi, parce qu'il y a beaucoup usine de fabrication au Nigeria que ne voulait pas des importations de l'Afrique de l'Est de bon marché. Mais maintenant, Nigeria, effectivement, la seule décision qu'il pouvait faire était d'entrer dans ce marché. Et maintenant que nous avons le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, c'est impossible d'éviter. Et pour ça, je crois que l'Afrique centrale, oui, va entrer avec plus force et accepter plus la SLECA. Parce que si on voit où sont les barrières de commerce principaux en Afrique, normalement c'est entre les marchés où il y a différents types de systèmes politiques ou de langues. Par exemple, les marchés de Nigeria et la zone ZFF, France CFA, ou le Ghana et le Côte d'Ivoire.
Mais pour l'Afrique centrale, spécialement, il y a un blocage entre, pour tous les flux entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. C'est très difficile de faire le trade entre l'Ouganda, Rwanda, peut-être Tanzanie et DRC, etc. Alors, ils peuvent gagner beaucoup de l'intégration, énormément. Et je crois qu'éventuellement, les gouvernements de l'Afrique centrale vont reconnaître ça et ils seront à côté de l'ASIECA. Merci, Ted. Je pourrais peut-être rajouter sur ce point en mentionnant bien sûr tous les avantages qui sont liés à la ASIECA. Et je pense que dans la présentation de Ted, on a parlé un tout petit peu des tensions, ou en tout cas des tensions sur les réserves de change sur la zone centrale. Donc, il est clair que la ASIECA pourra participer au développement du commerce donc intra-africain. Et donc, ce commerce intra-africain, il se développera également au niveau de la zone de l'Afrique centrale. Et ce qui aura pour conséquence d'avoir beaucoup moins de dépendance sur certaines matières premières, donc notamment le pétrole. Et il est clair que les autorités au niveau de ces pays ont la claire mesure de l'impact du développement du commerce intra, donc au sein de cette zone. Ce développement donc pourra avoir un impact clairement sur la stabilité de la parité et aussi donc sur les économies de ces régions. Merci. Donc je passe à la prochaine question qui a trait à un pays spécifique. Et donc je parcours la question qui dit donc que le RDC, donc la RDC pardon, est un pays dont les recettes budgétaires sont faibles et son marché de la dette est embryonnaire. C'est aussi une économie fortement dollarisée. Quelles seraient, selon vous, les mesures novatrices que le pays pourrait mettre en œuvre à très court terme pour réduire l'impact de la crise et stabiliser sa monnaie? Je vais te laisser la parole, mais je vais traduire pour une intervention de Guy Min. So, Guy Min, the question is regarding DRC, and the question says that DRC is a country where the fiscal revenues are low, and its debt market is shallow. It's also a dollarized economy, and the question is, in your opinion, what would be the innovative measures and policies that the country could implement to mitigate the impact of the crisis and stabilize the currency? So, Guy Min and Tred, any one of you? Yeah, Guy Min, you go first. From an economic perspective, the first thing is that the DRC, like Nigeria and CIMAC countries, they rely solely on one particular commodity export. And in DRC's case, it's minerals. About 95% of the country's export earnings are from minerals. And so that makes it so susceptible to global shocks. And as we're seeing that now, and as we saw during the 2014-15 commodities crisis. So the main thing that such a government has to do is to try to diversify, because in that case, when it has impacted by these shocks, then it makes it very, very vulnerable. So right now, the mineral sector has actually declined. It's set to contract this year. And in fact, one of its biggest copper mining company has also decided to suspend operations, the Kamoto Copper Company. And these factors will have ripple effects, negative multiplier effects across the services industry and across the real sector. So diversification will be key for such a government and into trying to increase value additions in a non-mineral sector. Merci, Guy Min. Le point donc de réponse de Guy Min est de dire effectivement que le Congo est effectivement très dépendant des minéraux, donc à hauteur de 95%, ce qui effectivement le rend le pays très vulnérable au choc au niveau des marchés globaux. Et donc
la recommandation phare, c'est bien sûr de s'atteler à la diversification de la République démocratique du Congo. Elle a également mentionné le fait que un des acteurs importants du secteur minier, Kamoto, a arrêté ses opérations au niveau du Congo, et donc ce qui aura comme effet d'amplifier bien sûr l'impact de cette pandémie. Donc le motto, c'est vraiment de s'atteler à la diversification de l'économie. Merci. Oui, merci Suleiman. Je voudrais dire quelque chose du point de vue du commerce. Pour moi, le plus important pour le gouvernement du RDC, c'est de concentrer en améliorer le chaîne d'approvisionnement, spécialement les chaînes du commerce, la possibilité de commercialiser pas seulement les exportations des matières premières, mais aussi pour les produits de consommation. Si on va, par exemple, à la frontière entre la RDC et la Zambie, Kasumbalesa, peut-être ça c'est le couloir de commerce le plus grand de l'Afrique, possiblement. Mais à moins la moitié, c'est informel. Il y a beaucoup de commerce de maïs, de sucre électronique, de ciment qui passe par là. Presque tous les échanges sont en monnaie, pas numérique. Il y a une perte énorme des taux d'import et aussi il y a une contrebande énorme. La possibilité d'investir mieux sur les frontières, d'avoir mieux routes et infrastructures de frontières et aussi des systèmes numériques. Par exemple, Tanzanie a un système TANSIS qui a développé avec EcoBank en Tanzanie. Et chaque fois que quelque chose arrive à la porte de Dar es Salaam, on paye l'impôt là-bas et les fonds restent dans un compte bancaire. Et le moment de passer la frontière, par exemple avec Zambie, le paiement passe à l'autre pays. Ici, le produit ne sort pas du pays, Tanzanie reçoit l'argent. Alors c'est très effectif, à manière de contrôler mieux les flux et pour DRC qui est effectivement bloqué du monde avec ce un peu entrée à la mer et presque tout le commerce qui passe par la frontière par terre, c'est très nécessaire. Pour moi, ça va aider énormément avec le relancement de croissance. Merci beaucoup Ted. Je pense que c'est clair. On va passer à la question suivante. Qui a plus trait à la nature même de la pandémie et à son temps de résorption. Donc la question est telle que suit, les perspectives sont basées, sauf erreur, sur un affaiblissement de la pandémie. À quel horizon envisagez-vous cet affaiblissement, sachant que l'on observe de plus en plus un rebond des cas? Quel est le worst case scenario en cas de reprise du COVID dans les économies fortes? La réponse est en dépendance de est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Alors, je suis optimiste. Et quand je vois comment le monde va gérer la crise, la vérité est que nous savons bien plus maintenant qu'il y a 6 mois. La rapidité de développement des vaccins et des traitements a été extraordinaire. Et spécialement, il y a maintenant des traitements qui sont basés sur les drogues qui sont partout et très, très, et pas cher, pas du tout. Alors, je crois que la crise sera plus et plus possible de gérer, toujours avec les pics et les moments de confinement pour certaines zones. C'est une question d'avoir un bon système de traçabilité. Mais je sais qu'en Afrique, il n'y a pas l'argent ou la possibilité de faire le testing nécessaire et peut-être les systèmes nécessaires de traçabilité. Alors oui, j'ai une préoccupation là-bas, spécialement pour les économies avec une politique très fermée, avec un gouvernement qui ne veut pas discussion ouverte de ce qui se passe. Et c'est clair qu'il y a certains gouvernements qui ont effectivement décidé de laisser la pandémie courir pour la population et attendre ce qui va se passer. Alors, je ne vois pas un worst case scenario.
Le worst case scenario pour moi, c'est un autre recul de demande et c'est une autre mini-récession. Mais vraiment, moi, j'ai souffert à moins 5 récessions dans ma vie professionnelle. Alors, voilà le sixième vient. Merci. Merci, Ted. Gaiman, let me just quickly summarize the question for you. The question was related to the impact or the timing of the recession of this pandemic in the near term. So what is your view, and you know, what would be the clear measures that could be taken in the short term, and the implication from an economic perspective? Well, from an economic perspective, I think the authorities, global authorities, are doing exactly what needs to be done. I know that if you compare this to the 2008-09 financial crisis, it's not to the same degree in terms of the depth of the crisis, but we're seeing unprecedented policy supports both from the central banks as well as from fiscal authorities. And I think that is what is, that is the lifeline that's been thrown to the entire economy right now. So they're actually doing what they're supposed to be doing, because despite concerns about debt in the medium term, there's no way that if you see someone drowning, you're not going to throw them, you know, a raft or something to save them. So this is what they're supposed to be doing in the short term. And in the medium term, I would expect, as Ted has just mentioned, the vaccine, provided that it's effective and it's adequate and it's affordable, and we won't have countries like the US grappling all the supplies for its own nation, for its own people, then I think that will help to bring back confidence into the global financial markets and the real sector, and help to boost businesses and the real economies. Merci beaucoup, Gaiman. Donc, pour résumer, le point, c'était effectivement que les réactions à la pandémie, notamment sur le traitement de la dette pour celles qui ont été restructurées, étaient la bonne réaction, puisqu'il n'y avait pas de choix que quand on voit quelqu'un être dans une situation difficile, de pouvoir donc l'aider à sortir de cette situation. Et ce n'est que de cette manière que donc, le monde se portera encore mieux. Donc, les perspectives sont en général bonnes, mais sont assujetties à l'obtention d'un vaccin le plus rapidement possible, et que ce vaccin puisse être mis à disposition du plus grand nombre le plus tôt possible. Merci, Gaiman. Donc, je passe à la prochaine question. Et donc, la question qui me vient, ce serait, disons, quel plan d'action serait plus adéquat pour soutenir l'économie africaine, en particulier, surtout avec la hausse du prix des matières premières, qui constitue plus ou moins la principale source de revenus. Donc, Ted, peut-être que c'est pour toi. Oui, non, moi j'ai déjà touché sur ça dans la présentation, mais peut-être Gaiman. Yeah, Gaiman, the question is very much about saying what further measures can be taken for countries that are extremely dependent on commodity exports. And I mean, I said that was touched on in the presentation, but maybe you can just elaborate a bit more on those very heavily commodity dependent countries. If we look at what's happening in Nigeria right now and the CIMAC region, these countries have no choice right now but to try to reform the exchange rate markets, because they cannot diversify right now. It's impossible to accelerate any diversification of the export markets at the moment. So in the short term, they're bringing in so many restrictions, particularly in terms of foreign exchange restrictions, to try to preserve their currencies. And we're seeing that in Nigeria, where they've done a number of foreign exchange restrictions to tighten in terms of monitoring the supply of foreign exchange. We're seeing that in CIMAC as well, where they've enhanced the foreign exchange regulations. And this will help in the short term, but in terms of the medium to long term, they have to think more seriously about how they can try to reduce this type of impact, vulnerable shocks from
from the world shocks on their markets. And one way to do that is to allow their exchange rates to become more flexible. I mean, for CMAC, that's why we mentioned that the devaluation risk is really high because they rely a lot on oil exports. And at the same time, they're also a highly import dependent region for non-oil exports. So that tends to reduce their terms of trade. So it's if oil does not pick up strongly, then they'll be in trouble for the long run. And so there has to be more meaningful decisions taken with regards to the foreign exchange rates environment and in trying to diversify exports in on a longer medium to longer term period. Merci, Gaëmine. Je vais essayer de résumer le point donc, qui a trait à l'impact notamment sur les pays les plus dépendants donc, des matières premières. Vous avez cité la zone CEMAC et également le Nigeria. Pour dire que ces pays n'ont pas d'autre choix donc, que de réformer le régime de change compte tenu de la pression actuelle que nous voyons. Et donc, les restrictions du point de vue de Gaëmine, les restrictions sur ces marchés ne pourront pas forcément être la solution et que ces pays devraient laisser mieux fluctuer donc leur monnaie de manière à vraiment avoir les cours effectifs ou réels sur ces monnaies-là, tenant compte des données économiques. Les prescriptions, c'est toujours par rapport à la diversification de ces économies. Et donc, en attendant de laisser, en tout cas, au moins pour les pays dépendants du pétrole, de laisser les marchés de change fluctuer selon les lois de l'offre et de la demande. Merci beaucoup. Gaëmine. Je voudrais dire quelque chose aussi. Gaëmine a noté que c'est impossible pour un pays se diversifier soudainement de nuit à lendemain. Ça, c'est un processus d'années. Mais pour moi, c'est important aussi pour comprendre pour ces pays s'ils veulent faire valeur additionnée en termes de processer ou de faire des produits de base. Le grand problème est la majorité des matières premières sont exportées brutes. Et ça, c'est pas seulement le pétrole brut, ça, c'est aussi le coton, les anacardes, par exemple, noix de cajou, 90% à moins exporté, totalement cru, et le même avec le café, pas cuisiné ou préparé pour la consommation, et le cacao comme fèves, simplement. Alors, il faut avoir transformation, mais on doit penser clairement, est-ce que cette transformation additionne la valeur? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs additionnées en Afrique qui additionnent pas valeur, qui perdent valeur. Des fabriques de grainage qui effectivement fait des pertes tous les années. Et un pays peut dire, ah, mais nous avons transformation dans le pays, mais chaque année on perd l'argent pour ça. Et pour moi, le clé, c'est la demande locale, spécialement pour les matières premières agricoles. Il y a une demande pour les anacardes et les cachous. Il y a possiblement une demande pour le cacao, mais le cacao pas comme chocolat, mais peut-être cacao comme une boisson ou une soupe ou quelque chose de différent, une recette traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Mais s'il y a demande locale, il y a possibilité de transformation et des industries pour les matières premières qui donnent valeur et en même temps donnent au pays plus pouvoir quand on parle d'exportation. Si on va au marché du monde à dire « je dois vendre absolument tous », c'est difficile de faire un prix. Si vous voulez seulement exporter 40% des matières premières, ça change la donne. Merci beaucoup, Ted. Je pense que ça donne un peu plus de perspective. Nous avons deux questions que je vais essayer de résumer qui portent sur les mêmes points et à la suite de la première qu'on a traitée. C'est je reprends la question, elle vient de Christiane Matana. Devons-nous redouter une nouvelle dévaluation du ZAF au regard de la chute des coûts des matières premières, de l'impact de la COVID-19
et les différentes crises politiques au cours des pays en cours dans les pays de la CEMAC. Et je rajoute à cette question donc la question d'un participant anonyme qui dit donc vous avez parlé d'une dévaluation possible du ZAF compte tenu du lien étroit entre le ZAF et le ZOF. Pensez-vous qu'une dévaluation du ZAF soit possible sans dévaluation du ZOF? So let me try to just summarize for Gaimin. So two questions that I'm trying to bundle into one. Do you envisage a devaluation of the ZAF given the decrease on the cost or the price of commodities and the impact of the COVID-19 on and in the different countries? And there's a related question which asks whether there's a possibility that the ZAF be devalued without a concomitant devaluation of the ZOF, which is on for the UMOA zone. I know those questions are sensitive, but I want to give the floor just so that we can give our own perspective, which are personal, of course. Thanks. Well, yeah, as we mentioned in the presentation, the devaluation risk for the ZAF is much, much greater when you compare that to the ZOF. If you look at the data shows us that when you look at the ZOF, it's more consistent in terms of the exchange rate, it's more consistent with its real effective exchange rate. So in that case, it makes goods more competitive. But when you look at the ZAF, the ZAF it's very uncompetitive at the moment because it's highly overvalued, but at the same time the fixed exchange rate regime somehow makes it impossible for the nominal exchange rates to be able to respond effectively in correcting the macroeconomic disequilibrium. And as a result, the real exchange rate becomes overvalued. So the best thing that the authorities need to do in BIAC is to actually devalue, but you can't just devalue because this is a monetary union and it involves a lot of discussions with the French Treasury as well as the member states. So far, we've seen countries like Chad, Equatorial Guinea, and the Republic of Congo be more vocal about the devaluation. So given what's happening now, and depending on how the BIAC responds in terms of the foreign exchange tightening of regulations, then it'll go a long way to determine whether some of these markets will decide to go on their own separate ways or whether they'll remain within the union. So there's a lot of uncertainty right now with the ZAF, unlike the ZOF. And I would say that if oil prices continue to remain low and below the required amounts that's required for such highly dependent oil regions, and if foreign exchange reserves as well remain so low at the moment in CEMAC, it's about 3 months of import cover, which is quite low for such a monetary union. The minimum requirement is about 5 months of import cover. So this will continue to put pressure in the real exchange rates of the ZAF. And so we can see the authorities acting quicker than expected in terms of devaluing their currency, or one of the member states might just decide one day to just leave the union, just like we saw in the 60s with Guinea and other markets like Madagascar. Thank you. Merci, Gaimin. Je vais résumer avant peut-être de laisser un tout petit peu peut-être commenter. Et donc, la réponse que vous donnez donc à la question, c'est effectivement qu'il est possible de déparer donc le ZOF et le ZAF, puisque les fondamentaux ne sont pas les mêmes. Au niveau de la zone du mois, donc pour le ZOF, nous avons des fondamentaux qui sont en ligne avec le cours actuel, alors que pour la zone d'Afrique centrale, CEMAC, ces fondamentaux ne sont pas en ligne, comme vous l'avez montré donc, au niveau des graphiques lors de votre présentation. Donc, la question sur la dévaluation possible du ZAF,
elle est une question sensible et vu qu'il s'agit donc d'une union monétaire, cela suppose une coordination au niveau des pays concernés pour, disons, une harmonisation de leur position, ce qui, en général, donc, prend beaucoup de temps. Et donc, clairement, vous confirmez toutes les incertitudes par rapport à la monnaie ZAF, d'autant plus que, donc, en termes de couverture des importations par les réserves de change, actuellement, la zone CEMAC est à 3 mois contre une norme de 5 mois en général. Donc, c'était pour résumer le point de Gaïmine. So, Ted, let me give you the floor. Non, je n'ai rien de plus à ajouter. Excellent, excellent. Donc, on arrive malheureusement au terme de la séance questions-réponses. Nous avons effectivement fini avec ces questions qui sont sensibles, mais sur lesquelles on a donc nos intervenants ont bien voulu donner leurs avis. Nous allons donc passer au mot de clôture, donc qui sera donné par Monsieur Cheikh Travali, qui est directeur exécutif en charge de la zone de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et australe. Donc, Cheikh, tu as la parole. Merci. Merci, Souleymane. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Mesdames et messieurs, effectivement, nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. Et je voudrais d'abord vous remercier pour votre participation active. Je sais qu'il y avait d'autres questions, mais vu les impératifs de temps, nous n'avons pas toutes pu les traiter et je m'en excuse. Je voudrais également remercier Ted et Gaïmine pour leur présentation. J'espère que vous aurez trouvé cette session utile. Pour ma part, je l'ai trouvée extrêmement informative. Et entre autres, j'ai retenu en particulier un certain nombre de choses. D'abord, que cette crise va durer pour un bon moment encore et que malheureusement, l'Afrique doit se préparer à affronter sa pire récession. Il y aura malheureusement aussi un impact négatif sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. J'ai noté, pour m'en réjouir aussi, qu'il y a eu une réponse rapide, une réponse vigoureuse et une réponse appropriée de nos régulateurs à travers nos différents pays pour soutenir les économies. Et dans le même temps, j'ai noté également que certains partenaires ont consenti à d'importants allègements de dettes, ce qui, quelque part, devrait favoriser une relance rapide de nos économies. J'ai aussi relevé qu'il y a une baisse générale des exportations, avec comme corollaire une forte pression sur les principales monnaies africaines, avec ça et là des dévaluations de fait ou des dévaluations à venir probablement de ces monnaies. Un cas en particulier a retenu l'attention de beaucoup de nos intervenants, c'est celui de la CEMAC et c'est celui de l'UMOA. Mais pour ne pas rester sur une note pessimiste, j'ai relevé d'une part la montée en puissance de l'Asie comme partenaire commercial, mais surtout la réalité de l'importance grandissante du commerce intra-régional africain et des opportunités de construction de chaînes de valeur transfrontalières que ça présente. Et finalement, j'ai retenu la confirmation que les marchés africains présentent d'énormes opportunités de croissance. Donc, mesdames et messieurs, sans aucun doute, nous sommes au bon endroit. Nous sommes d'accord tous que nous sommes entrés dans une zone de forte turbulence, dont nul ne sait quand et surtout dans quel état nous allons en sortir. Alors, nous sommes certes dans une zone de turbulence, mais comme toute période d'incertitude, c'est également une période qui présentera forcément des opportunités pour ceux qui sauront les voir et les saisir en premier. Donc, notre rôle est d'abord de vous donner les moyens financiers de développer vos activités, de prospérer. Notre rôle, c'est également, dans ces moments difficiles, de vous aider à traverser cette période de crise.
Mais nous pensons que fondamentalement, en ce moment, notre rôle de partenaire, c'est également de vous donner les clés pour décrypter les mutations d'un monde en plein bouleversement, de manière à vous aider à vous positionner pour saisir les opportunités qui se présenteront tôt ou tard, afin que non seulement nous survivions à cette crise, mais qu'ensemble, nous en émergions plus forts pour affronter l'avenir. C'était l'objectif principal de ce webinaire et j'espère qu'il a été atteint. C'est également l'objectif de la série qui suivra et à laquelle je vous invite fortement à assister. En terminant, je vous renouvelle mes remerciements pour votre participation et vous réitère notre disponibilité, celle des équipes EcoBank, à rester à vos côtés pour affronter ces moments difficiles. Merci à tous. Retour à toi, Souleymane. Merci beaucoup, Cheikh. Donc, mesdames, messieurs, chers clients, chers partenaires, chers invités, nous arrivons donc au terme de ce webinaire qui fait partie, effectivement, comme l'a dit Cheikh, d'une série de webinaires que le groupe EcoBank organisera dans les jours prochains. Et donc, par rapport à ça, nous aurons donc un webinaire qui traitera des moyens de paiement digitaux le 6 août à 10h pour la partie française. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous pour ce séminaire. Et donc, jusqu'à alors, nous vous prions de passer une très bonne journée et vous remercions encore une fois de votre aimable attention. Merci beaucoup et à bientôt.